essaye de faire un peu abstraction, même si on est vraiment tous en état de choc. L'important pour nous, c'est de se remettre au travail et de rester concentré sur le basket pour préparer le match de ce week-end. On n'en a pas parlé plus que ça, sauf pour savoir s'il y avait des membres de l'équipe qui avaient été touchés directement par, par les incidents qui ont eu lieu. Donc heureusement pour tout le monde que tout le monde va bien pour tout le monde, y compris pour moi, donc tout va bien. C'est vrai qu'avec ce genre d'incident, on se rend compte que ce qu'on fait, c'est un peu secondaire. C'est pas si important que ça, mais on a eu cette capacité à vite rebasculer là-dessus. Et là-dessus, on a tous été très bons parce qu'on a vite rebasculé au basket et être concentré sur ce qu'on avait à faire. Oui, évidemment, c'est important de se remettre au travail et le plus rapidement possible parce que malgré les incidents qui aient pu avoir, la vie continue. Donc, et justement, il faut se remettre au boulot le plus vite possible. Donc, généralement, le mardi matin et le jeudi matin, je suis en individuel. C'est optionnel, mais je suis toujours présent et je viens travailler sur quelques points faibles avec le coach. Et ça se passe plutôt très bien. Ce sont des séances auxquelles j'apprécie énormément parce que j'apprends beaucoup. Et je sens que sur lesquelles je progresse au fur et à mesure. Je travaille sur mon dribble, mon tir et mon registre de passe, exactement. Et je continue d'appuyer sur mes points forts, notamment sur mes pénétrations et sur mes finitions. C'est là-dessus que j'essaye d'appuyer encore plus. Ben, on a vu que c'est une équipe qui se classe très bien dans le championnat. C'est une des équipes qui est dans le haut de tableau. Et nous, on y va pour jouer notre basket et on va se battre pendant 40 minutes et on verra ce que ça donnera. Parce que je pense que si on applique les consignes et le plan de jeu mis en place, il n'y a aucune raison pour que ça se passe pas bien. Vraiment focalisé que sur l'aspect basket, mais c'est sûr qu'il y aura de l'émotion des deux côtés, mais ça sera l'équipe qui basculera plus vite sur le basket qu'on apportera, je pense.